Les potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur du Fortnite Battle Royale qui, j'espère, vous fera plaisir. Bref, n'hésitez surtout pas aussi à liker, commenter, puis partager la vidéo, puis à mettre le code STNG dans la boutique, ça fait toujours plaisir. Enfin voilà. Donc ce week-end a été la World Cup 2019, donc une très belle World Cup de la part des Français, comme aux Américains, ou même à tous les autres pays. Donc félicitations à vous. Donc que ce soit la Pro AM, la Solo, la Duo, les Français ont donné du beau jeu, que ce soit Airwax à la Pro AM, donc qui a été premier. À la Duo, on avait fait des bons tops, mais voilà, on aurait pu faire davantage. Et à la Solo, que ce soit Nate ou Skate, voilà, qui sont arrivés 7e et 8e, et Kingstar qui est arrivé donc 26e, donc mondial. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, ils sont quand même dans le top 100 des meilleurs joueurs français. Donc félicitations à eux, ils le méritent. Et puis j'espère à une prochaine Cup Fortnite, donc j'espère qu'il y en aura une, de les voir augmenter puis améliorer. Et puis pourquoi pas être premier. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, cette belle World Cup, et j'espère qu'il y en aura une davantage de la part d'Epic Games. Enfin bref, donc vous avez vu, voilà, il y a eu un leak hier dans la World Cup, donc avec une image de Dusty Depot, donc le retour de Dusty Depot ou pas. Donc voilà, où il y a marqué le X derrière, donc X, Fortnite X, donc saison 10. Et il y a eu un leak qui est arrivé il y a 3-4 heures aujourd'hui, donc un leak avec un robot, une image marquée X derrière, donc saison 10 pareil, avec deux emblèmes à droite et à gauche. Donc là vous avez l'image là tout de suite maintenant. Donc ça annonce de bonnes et de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Donc ça annonce peut-être le retour des anciennes maps, donc que ce soit Grazy Groove, Dusty Depot, ou même l'ancien Tilted, ou même les anciennes maps, donc les anciennes saisons, donc pourquoi pas un retour à l'ancienneté. Mais à la fois un retour au futur aussi, donc pire que la saison 9 ou moins pire que la saison 9. Donc telle est la question, parce que la saison 9 a été vraiment bien, mais le pass de combat aurait pu être mieux, que ce soit les skins. Les skins, voilà, je les ai tous achetés, je les ai tous eus comme d'habitude, mais je les ai pas tellement trouvés tellement ouf que ça, comparé aux anciennes saisons, à la style Chevalier Noir ou même d'autres saisons. Enfin voilà, mais que ça soit le skin du palier 100, je l'ai pas trouvé tellement ouf, mais j'espère que voilà, ils vont améliorer ça la saison 10. Mais bon, à la fois j'espère pas qu'ils vont empirer le futuriste, que ça soit Neo Tilted, les aérodromes. Enfin voilà, j'espère qu'ils vont enlever un peu tout ça, qu'ils vont en faire une nouvelle map, ou même du renouveau, que ça soit une nouvelle map, donc de nouvelles villes, des nouvelles armes, pourquoi pas des anciennes armes à l'ancienne époque du style guerre. Enfin voilà, on verra tout ça de toute façon dans 3-4 jours, parce que là, le pass dans le combat arrive très rapidement, l'équipe. Voilà, j'ai tellement impatient de voir tout ça. On va acheter aussi tout le pass de combat à fond. Donc, je le ferai en vidéo et en stream. Et puis aussi, il y aura les concours, donc les résultats, pour vous faire gagner le pass de combat saison 10. Donc, je vous en ferai gagner plein, les gars, que ce soit sur Twitter. D'ailleurs, mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram et Snap, n'hésitez pas à m'ajouter. J'ai récupéré mon Twitter. Donc c'est Thierry Duba, Stronger Esport. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, je réponds à tout le monde. Et puis voilà, de temps en temps je fais des cadeaux, je lâche des codes PSN pour des V-Bucks, pour vous les gars, pour vous faire plaisir. Enfin voilà, bref l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve ce soir pour la boutique. Bref, c'était Stronger les gars, bonne vidéo à tous, et puis tout le monde.